Mesdames et messieurs, merci de suivre Agnibi TV. Merci de rester branchés sur votre chaîne. Bienvenue à ce dossier du jour. Actualité oblige. Le président Pierre Ogoudemba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a reçu ce week-end dernier la communauté burkinabé vivant à Agboville, venue le féliciter et lui témoigner son amitié, disons sa fraternité. Les images. La communauté burkinabé s'est réunie aujourd'hui dimanche pour venir depuis que leur fils de la région de l'Agnibi-Thiassa et fils du département d'Agboville a été nommé ministre. Il faut qu'il vienne dire merci au ministre, merci au chef de l'État et félicitations à leur fils aujourd'hui, dont ils doivent se mettre aussi à sa disposition pour que Agboville puisse marcher sur le même chemin. Donc aujourd'hui, leur arrivée ici, c'est pour dire félicitations au ministre. Et il y a un porte-parole qui quand même va lire un petit discours pour monsieur le ministre. Je donne le choix à cet après-midi de prendre la parole au nom de la délégation burkinabé ici présente, vous saluer et vous adresser toutes mes félicitations pour votre brillante nomination à ces postes combien importants du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous êtes aujourd'hui celui-là même qui tient nos vies, comme le dit notre père évêque Alexis Toibiyoulo. Votre nomination à ces postes ne nous étonne pas, monsieur le ministre. C'est la récompense du travail bien fait. Oui, monsieur le ministre, vous êtes un bosseur infatigable. En témoignent tous les travaux de voirie dans toute la région de la Agnibi-Thiassa et dans toute la Côte d'Ivoire dans sa généralité. Monsieur le ministre, le peuple burkinabé dans son ensemble prie pour votre santé, celle de vos familles et de tous vos collaborateurs. Que Dieu vous protège et vous assiste dans tout ce que vous entreprendrez. Monsieur le ministre, le peuple burkinabé du département d'Agboville, après le décès de son chef Pierre Isibo Drago, a bien voulu porter son choix sur la personne de M. Kabore Ambroise, ici présent. À cet effet, monsieur le ministre, nous voudrions solliciter votre parrainage lors de son investiture. Un courrier vous sera adressé. Que Dieu, dans sa miséricorde et bonté, vous accorde toute sa grâce. Je vous remercie. Une communauté très introduite qui est venue, les bras bien chargés, pour saluer le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie, président de la région de l'Agnibi-Thiassa. Suivons ensemble. Nous sommes venus avec un accoutrement traditionnel burkinabé. Et en plus, on a venu aussi avec un bélier tout blanc pour symboliser notre amour pour monsieur le ministre. Donc, voilà, avec le symbolique, il y a... Le chef là. Le chef vient. Mesdames et messieurs, c'est aussi que les frères de la communauté du Burkina Faso vivant à Agboville se sont donné le devoir d'invoquer le salut d'Allah et sa protection sur le ministre président. C'est votre nom qu'on vous a donné à la grande mosquée à Abdouaha. Donc, que nous, c'est ce qu'on a dit tout de suite. Abdouaha signifie le donateur. Donc, vraiment, aimer ce nom,
c'est le grand donateur. Ce qu'il a fait aujourd'hui, ça, tout le monde, ça prouve cela. Mon Dieu, merci. Au lieu de leur moment également créé, trop tellement comme un pêcheur. Attention, on est comme un mentateur, on est comme un pêcheur. Je vais demander à chaque fois que je vais la collection 3D. Originer le premier heure, pas originer le premier. Le ministre a salué quant à lui ce geste d'amitié de cette communauté du pays frère du Burkina Faso à Goville à son endroit. Nous sommes le modèle achevé de cette Côte d'Ivoire en miniature qui rassemble, qu'on vient du nord, qu'on vient de l'est, de l'ouest, du sud, du centre. Mais qu'on vienne aussi de nos frères et sœurs, à un moment donné, qui nous ont aidés, qui sont venus depuis des générations, qui nous ont aidés à bâtir ce pays, qu'on soit ensemble, et la cohésion, la parfaite cohésion de tous ses fils, tous ses enfants, fait que la Côte d'Ivoire est un grand pays qui avance. Et c'est ce qui a fait le prestige de la Côte d'Ivoire à l'aube de l'indépendance, et c'est ce qui fera que l'avenir de notre pays soit un pays, comme c'est dit dans son hymne, où vraiment l'espérance pour nous à l'humanité se manifeste. Voyez-vous, chers parents, tout à l'heure, il a dit, il a retracé tout de suite mon parcours. Certains, quand ils me voyaient il y a 2 ans, 3 ans, ils ne me connaissaient que de nom. Ils ne m'avaient jamais vu. Oui, en ce moment-là, on m'appelait M. Demba pour certains, Demba Pierre pour d'autres. Puis, grâce à vous, grâce à votre confiance. Et quand je dis votre confiance, c'est une confiance manifeste. Je vois encore comme si c'était aujourd'hui les premières réunions que nous avons tenues. Vos frères, nos sœurs, et même nos chefs religieux et communautés que je vois, ont été ceux-là qui étaient avec nous. Je me rappelle, on avait fait une première réunion avec les Moussa, les Kamal, dans un petit hôtel à côté, où on a commencé à parler de ODIC, pourquoi il faut faire ODIC, de pourquoi il faut se rassembler, et après ça s'est mué donc à une équipe qui voulait vraiment comprennent l'organe politique, la gestion de la région pour apporter notre contribution. Mais tous ces moments-là, vous étiez avec nous. Que vous soyez à Bay, Dula, et non, de partout, vous étiez avec nous. Et grâce à vos prières, grâce à votre appui multiforme, cette région difficile, moi qui étais méconnu, moi qui suis le dernier, je peux dire le plus petit des familles des quatre, vous m'avez choisi pour être le président de la région. Et ce que nous avons promis de faire, c'est-à-dire rassembler tous les fils et filles, pour qu'ensemble nous bâtissons une région qui soit respectée et en train de se mettre en place. Puis, mesdames et messieurs, il a saisi l'occasion pour dire à ses frères du Burkina Faso en quoi l'union et la cohésion sociale a prévalu dans sa promotion. Suivons ensemble. D'abord, les signes de ce résultat tangible, c'est ce que vous êtes en train de voir. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes venu me voir parce qu'effectivement, les chefs d'État. Faites confiance au travail que nous avons fait, faites confiance à vos enfants, que nous sommes à vos frères, et il m'a nommé donc ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est un poste important, prestigieux. On ne donne pas à quelqu'un ou à une famille à qui on ne fait pas confiance. Donc vous êtes, c'est une légitime fierté que vous devez prouver pour cette confiance manifestée en direction de notre région. Au-delà de ma personne, d'autres fils, d'autres enfants de la région ont été promus. Je veux dire, il a plu au chef d'État, lorsque notre frère Dutogo a été élu par vous-même, député, de proposer dans le staff qui allait diriger l'Assemblée nationale qu'il fasse partie. Aujourd'hui, il joue les premiers rôles au sein de cette institution importante. C'est une marque de confiance. Sans compter Bandamara qui, certes, est parti avant nous, avant qu'il y ait peut-être ses élections ou ses nominations, mais qui est ambassadeur, ministre, mais ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Quand on sait le rôle que joue la France, la Côte d'Ivoire au niveau mondial, je pense qu'on ne donne pas ce poste important à quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Donc déjà, le rappel de tous les enfants, le rassemblement des fils et filles,
l'entente parfaite qui a commencé à se manifester entre nous produit des résultats. Je n'ai pas voulu citer toutes les bonnes choses qu'on a eues, mais quand on regarde, on sait que de plus en plus, les choses commencent à détériorer. Sans compter que, au-delà de la promotion de certains cadres, ou de nos enfants et de nos fils et filles, il y a également le développement du point d'adoption. Nous allons, mesdames et messieurs, une fois encore, écouter le ministre président de notre région, la Niébétiassa, faire le bilan des grands chantiers et annoncer les choses à venir. Pierre Ngoudemba. Vous voyez, aujourd'hui, avant de venir d'Abidjan, quand on arrive à Tomasé, nous, on avait honte de rentrer ici parce qu'Azopé était une voie où tout le monde disait, voilà, regardez Azopé. Aujourd'hui, c'est elle qui nous envie. Et quand vous arrivez vers et vous m'appliquez pour rentrer à Bolivie, vous savez que vous êtes en train de venir dans un pôle de développement important. Les questions d'eau potable, c'était les questions difficiles. Voilà. Donc, les questions d'eau potable ont commencé à être traitées. Aujourd'hui, c'est vrai, la production de l'eau potable à Bolivie a pu être sécurisée avec une nouvelle station. Et comme vous voyez, la Niébi est chargée. Quand vous regardez même le lit actuellement, on n'arrive même pas à lire là où passe l'eau. Il y a une deuxième tranche de travaux qui va permettre de draguer tout le lit pour débarrasser ce lit-là des détritus, de la boue, pour que l'eau soit de qualité. Et à partir de là, à partir de la station qui a été réalisée, on va construire un grand château d'eau vers Moucho. D'ailleurs, on avait commencé, mais l'entreprise traînait, donc on va reprendre dans le cadre d'un deuxième marché. Et à partir de là, on va apporter de l'eau à Grand Moulé et tous les villages du canton Moulé. Jusqu'à Toulouse, tous les villages seront desservis. On va apporter de l'eau, donc à partir de Rimapuké jusqu'à Yapo, Grand Yapo, Petit Yapo, Yapoka, Yapoga et Oui. Le faisant, nous apportons, l'eau c'est la vie, nous apportons le développement. Les quartiers seront desservis. Les canalisations qui ont été réalisées, certaines canalisations ont été réalisées même avant l'indépendance ou au début de l'indépendance seront remplacées à travers la ville. Vous avez des localités. Aussi, mesdames et messieurs, a-t-il saisi l'occasion pour annoncer la construction d'un nouveau CHR? Ce matin, en venant de l'église, et puis après avoir visité mes parents à la mosquée de Soukola, je suis passé par l'hôpital. Oui, cet hôpital-là, déjà, mérite d'être amélioré en termes de fonctionnement. C'est votre fils qui est là-bas. Mais nous allons construire un nouveau CHR qui va avoir un plateau technique beaucoup plus élevé. Pour le plus qu'on a évacué nos parents, quand ils sont malades, à Abidjan, où souvent ils ne connaissent personne, où ils vont dans des conditions très difficiles. Et les mêmes choses vont se poursuivre dans le secteur de l'électricité, et j'en passe. Maintenant qui rentre et qui vient d'entrer, travaille au sein d'une structure très, très, très importante, la forme qui va sécuriser nos terres. Et il faut que les uns et les autres puissent vraiment se prêter à cet exercice pour que chacun sache quelles sont ses limites de terre et qu'elle est palable de terrain, de forêt. Et de foncier qui nous amène toujours à la justice dans le funeste. Certains pays ont bâti, la plupart des pays ont bâti leur richesse, leur capital à partir du foncier. Celui qui maîtrise son foncier maîtrise la richesse et nous devons travailler à ça. Donc, pour nos frères que vous êtes, ayant appris la nouvelle, vous aurez pu dire oui, mais bon, c'est vrai, mais c'est notre frère vert. Nous, on a entendu à la radio, on va l'appeler, on peut même l'appeler. Par téléphone, vous dites, ah, félicitations, hein. Vous avez tenu à vous rassembler et à venir ici, chez vous, pour non seulement manifester votre joie, dire votre fierté, mais surtout m'encourager pour le travail qui a été soumis. Je voudrais vraiment vous remercier au nom de la chefferie, au nom donc de ma famille et au nom personnel. À la fin, mesdames et messieurs, il a saisi l'occasion pour demander aux populations de soutenir le chef de l'État dans sa politique de développement pour le bien-être de tous. Suivant. Vous rassurez que vous méritez amplement ce poste de ministre parce que vous avez fait le travail en amont, par ensemble, par travailler dans les populations. En cette dernière année, on a montré que quand on nous fait confiance, quand on est lancé, on perd une d'avant. Donc aujourd'hui, on nous donne ce poste qui est important, extrêmement important pour le chef de l'État et pour la Côte d'Ivoire, pour continuer de nous accompagner. D'abord, voilà, aux prières, parce que c'est Dieu. Si Dieu le bâtit, c'est en vain que nous travaillons. Et ensuite, au soutien multiforme. Tout à l'heure, on allait à l'hôpital, mais il y a des choses que moi, j'ai vues. Je n'ai pas besoin, moi, de descendre à ce niveau. Des poubelles qui ne sont pas mises là où il faut,
la gratuité qui doit être appliquée et que les gens ne font pas, quand ils regardent l'intérieur de l'hôpital, c'est toute la moussaille partout. C'est des choses sur lesquelles je pense qu'on peut tous agir. Mais pour cela, il faut que vous soyez bien informés pour ne pas faire des choses qui ne sont pas ce qu'il faut. Donc je pense qu'ensemble, nous devons travailler pour nous manifester vraiment notre adhésion à ce que nous sommes en train de faire, mais surtout mériter la confiance patiente. En tout cas, je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui et je voudrais vous dire que ce poste aussi, c'est le vôtre, parce que vous avez amplement contribué à ce que nous puissions mériter ce poste. Donc, continuez de nous soutenir et moi non plus, je ne vais pas vous oublier. En tout cas, merci au nom de mes parents, que Dieu, qui vous a inspiré, mais qui vous a guidé jusqu'ici, continue de vous protéger et que vous partez chez vous sains et saufs, et que vous ayez la pleine santé pour que nous puissions ensemble travailler au développement de notre région. Je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, fin de ce dossier du jour. Merci pour votre aimable attention. À demain, si Dieu le veut. Shalom.